Je veux être le meilleur. On en a rien à foutre. Précédemment dans Carnet de bord. Quant à nos guerriers, là, vous les voyez. Mais maintenant, vous ne les voyez plus. T'es complètement con. Oui, c'est elle. Vive le vent. Alors, dans le dernier chapitre, je devais me rendre au centre Pokémon d'Arabelle. Je me rappelle que la route fut semée d'embûches. Voilà, je suis arrivé. Non, non, vraiment semée d'embûches, vous allez voir. Alors, pas là, pas là, pas là, pas là, pas là. Eh monsieur, s'il vous plaît, je cherche le centre Pokémon, vous savez où il est? Ouais, peu, reste dans le coin, on va faire un discours dans pas trop longtemps. Non mais monsieur, je... Écoute, je suis un PNJ, je peux pas t'aider. D'accord, monsieur. Alors comme ça, tu cherches le centre Pokémon. Tiens, voici une Pokéball pour t'aider. Bonne chance dans ta quête. Non mais quel connard. Baisse ta mère, fils de... Tu veux savoir où est le centre Pokémon? Je te le dirai si tu gagnes à feu, plante, eau. D'accord, c'est comme un pierre feu ciseau, c'est ça? Donc je dis feu, eau. Et c'est ainsi que je me fis battre par une petite fille de 4 ans. Jamais je ne me remis de cette défaite. Jamais. Plante, eau. Oh. Mais tu es sur ma zone temps, espèce de rat. Quelqu'un a dit, les conflits naissent à cause des différences de point de vue. Quelqu'un d'autre a dit, quand il fait chaud comme aujourd'hui, on met la clim. Je suis sûr que l'un des deux a raison. Puis-je te jouer un air que j'aime particulièrement? Bien sûr. Très bien, alors écoute. Je voulais briller. Hello, N, t'en as mis du temps pour venir. Oh non, ça doit être une impression. Bien, laisse-moi te faire la visite d'un centre Pokémon. Ouvre ton esprit. Il y a une chose incroyable que l'on peut faire dans les centres Pokémon. Télécharger la nouvelle version de Messenger. On peut se soigner. Oh. Et ceci gratuitement. Gratuitement? Oui, vraiment, ça ne vous coûte rien. Vas-y, N, essaye. Ah mais non, je ne crois pas à la médecine traditionnelle. Moi, je me soigne avec l'acupuncture. Allez, salut. Ça suffit. Mais N, où vas-tu? Va donc parler à l'infirmière. Ce serait bien si t'arrêtais de faire le mec et que tu confiais ton équipe. On t'attend, en fait. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Nous pouvons soigner vos Pokémon. Voulez-vous les soigner? Bah oui, du coup. Très bien, veuillez patienter pendant que nous les soignons. Soignons nature. Nickel Chrome, ton équipe est en pleine forme. Non mais sérieux, l'acupuncture? Mais t'es complètement starvé. Je vous présente le PC. Bonjour. On peut y stocker tous les Pokémon qui ne sont pas dans notre équipe. Mais professeur, j'ai une question. Les points d'interrogation, ça veut dire que c'est le PC le qui? Oh, je suis surprise, Bianca, je m'attendais pas à ce que tu poses une question intelligente. Pokéball, potion, vous pouvez tout acheter dans les boutiques des centres Pokémon. Bon, moi j'ai tout expliqué. Allez, salut les mioches. Bon, bah du coup, je vais rédiger une lettre. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, après une bonne journée, je pense que je vais me reposer au centre Pokémon. Allez, c'est la fin du chapitre, salut. Le lendemain, j'ai reçu une lettre. Et il se passe un truc sur la place. Et si on allait voir? Mais que se passe-t-il? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Ah, mais attends, mais c'est pas ça le texte. Par respect pour ces créatures, nous avons pour impératif la libération de tous les Pokémon. Au moins la moitié. Merci de votre attention et que la paix soit avec vous. Alors d'abord, on range les drapeaux. Ouais, il était trop souhaité qu'il marche au pied. Allez, à la queue. Alors moi je vais à droite. On aurait dû me répéter. Hey, attendez-nous. Ah, mais c'était de la merde. Carnet de bord. Ton Pokémon, il m'a parlé. Ah bon? Dis-moi, tu es bien direct? Oh, il est si entreprenant. Oui, les Pokémon peuvent parler, mais vous ne pouvez pas les entendre, comme je vous plains. Je m'appelle N. Eh mec, il s'appelle comme toi? Moi, c'est Chiren, et lui, c'est N. Bah, comme toi. Il nous a été confié l'importante tâche de remplir le Pokédex. Eh ouais, nous, on n'est pas n'importe qui. Ainsi, vous voulez compléter le Pokédex. Et pour ce faire, vous allez séquestrer d'innombrables Pokémon dans leur Pokéball. Eh oui. Je suis dresseur, tout comme vous, mais j'interroge la normalité. L'intelligence est le bon vouloir du savoir, de savoir pourquoi et comment faire le savoir. L'estime du savoir. Pensez-vous vraiment que les Pokémon sont heureux dans leur Pokéball, à devoir combattre pour les dresseurs? Les revenus aussi à avoir, hein? N, c'est bien cela? Laisse-moi te dire quelque chose. Init, ça prend un E à la fin. Oh, c'est impossible! Laisse-moi te faire entendre ce que pense ton équipe Pokémon. Alors déjà, tu vas me parler meilleur, Init, je lui mets un E si je veux. Non mais j'attends pas ce qu'il dit, ton Init. Nous nous sommes donc affrontés, N et moi. Tu con. Vas-y, Chakripan. Apprends-lui le respect, Wink. Laisse-moi entendre ce que dis. Vas-y, pète-lui les dents. Non mais tu fais trop de bruit. Je me rappelle m'être un peu emporté sur ce combat, je dois l'admettre. Vas-y, Ewing, démoulis-le. Un tout petit peu emporté, pas beaucoup. Mais tu es sur ma zone temps. Tant que les Pokémon seront dans leur Pokéball, ils n'auront pas d'existence propre. Oh le rageux, il a perdu. Oh pop pop pop. Bon, il comprend rien, moi j'en ai marre, je m'en vais. Incroyable, oh là là. Quel drôle de bonhomme. Le petit
Mais bon, ce n'est pas grave. Ah mais si, il était bizarre, il avait les cheveux verts. Les dresseurs et les Pokémon s'aident mutuellement. Bon, en tout cas, j'ai hâte d'en découdre avec un champion. Toi aussi, tu devrais affronter les champions. Pour devenir un dresseur respecté, tu dois vaincre les champions de chaque ville. Au moins la moitié. J'y vais de ce pas. Ah mais tu m'étonnes que je vais battre des champions. Le prochain champion, il est à Hogoes. J'y vais, rien ne pourra m'arrêter. Rien ne pourra m'arrêter. Oh, il est super ce tableau numérique. Bon, ok, j'y vais. Eh, ça tombe bien, je viens de recevoir des chaussures de sport par un PNJ. Eh, mais je suis ta mère quand même. Alors, c'est parti. Nous sommes partis. Alors déjà, je trouve une potion. Potion. Ah, et en plus, il y a un combat. Allez, Vandamme. Toi. Alors, tu vas nous faire une petite attaque morsaille. Tu con. Bah, c'est nickel. Great job. Quand le regard d'un dresseur croise celui d'un autre, ils doivent alors croiser le fer. Ah, mais fort bien, jeune homme. Si votre ramage se rapporte à votre gros carnage, je vais vous faire ravaler vos belles paroles. Ah, je devrais pas improviser. Quelque chose à ajouter, Vandamme? C'est pas grave, laisse tes points parler pour toi. Diantre, j'ai perdu, honte sur ma descendance. Non, mais c'est pas grave, c'était qu'un combat. J'ai perdu. Ouais, y'a des gens plus fous que moi ici. Et hey, toi là, regarde. Je vais faire un truc super incroyable, tu veux voir? Bah ouais. Et regarde. Waouh. Tu peux sauter des rebords pour aller de l'autre côté, c'est incroyable, non? Mais c'est génial! On en a rien à foutre. Bon, je vais voir ce qu'il y a plus loin sur la route. Hé, hey, toi là-bas, c'est interdit de chanter sur ma route ici. Ah, pardon, je savais pas. Eh, mais tu t'appelles Mali? Eddie Mali. Ouais, bah c'est bon, c'est pas moi qui choisis. C'est un peu l'activisme vers la dynamique des sports, non? Oui, ça fait allusion. Non, mais ça va, on a compris là. En tout cas, c'est un honneur de combattre la fille d'Eddie Malou. Mais oui, c'est clair. Mais je suis pas sa fille. Ah, bah ouais, peut-être sa fille, elle m'aurait enlevé des points de vie. C'est logique. Je tiens à préciser qu'après vérification, c'était pas la fille d'Eddie Malou. Voilà, je peux reprendre. La congolexicomatisation, les lois du marché. Ouais, bon, je vous raconterai bien la suite de l'histoire maintenant, mais je veux pas manquer l'épisode de Yu-Gi-Oh! À la télé. Donc du coup, bah j'y vais. Allez, bisous. Il y a bien longtemps. Depuis vendredi dernier. Les pharaons étaient passionnés. J'ai une passion pour Beethoven. J'ai perdu.